Merci, Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante. Cédric Héroux, agriculteur, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants à traverser la frontière italienne. Pierre-Alain Manoni, enseignant-chercheur, condamné à 2 mois de prison avec sursis pour avoir aidé 3 érythréennes. En Méditerranée, les ONG accusées de collusion avec les passeurs et de créer un appel d'air. En France, en Europe, en 2017, la solidarité est un délit. En palliant les inactions des États, ces femmes et ces hommes sont pourtant les héros d'aujourd'hui. Des êtres humains continueront de risquer leur vie, non pour une douche à Calais, mais pour fuir la guerre et la pauvreté. La question n'est plus de savoir si nous devons les accueillir, mais comment nous les accueillerons. Sous-traiter leur sort aux réseaux criminels libyens ou à des régimes autoritaires ne mettra un terme ni aux migrations ni à leur cause. Il est temps que les États se montrent responsables et à la hauteur de ces héros ordinaires qui honorent les valeurs d'une Europe humaine et solidaire.